Donc, pour nous, nous allons faire un grand, grand, grand combat contre même l'État. Quand nous voyons ce qui est arrivé aujourd'hui, et que la vérité, nous récent événement qui est passé, nous verrons nous des prisons qui comptent, qui l'importance qui est là aujourd'hui. Nous verrons rien contre une ramification au sommet de l'État qui ne commence pas le refus, pas pour nous permission pour nous l'amorce laisser. Que nous utilisons à la Cour suprême. L'État de la Cour suprême, nous le sommes. La police préfère pas venir parce que je connais ce qu'elle est convenue, parce que tu peux faire la vie anticonstitutionnelle. Donc, ça, ça fait là que fini commencer. Ce qui va la PPR, ce qu'ils ont dit, les peuples peuvent réveiller, les peuples peuvent répondre au bon droit. Et ça, c'est eux qui peuvent répondre au bon droit. Ça, l'union qui nous peut faire là, l'union qui nous fait depuis le 29, nous peut venir là, il m'a réchaud. Quand vous trouvez trois choses qui nous peut faire, ben, nous pouvons mettre dans la roue. Nous disons à Dieu nous merci, parce qu'il savait être nous. Tout commence avec l'évacuation de squatter. En Europe, nous avons la loi qui protège par l'éviction. Vous pouvez avoir fait éviction pendant l'hiver. Mais mon risque est arrivé. Avec des protections du gouvernement, des gens qui ont promis tout pour nous la case, ils commencent à craser la case. Et mettre du monde dehors et petit baba. Grand merci qui sont là. Parce que c'est eux qui viennent amener le confort, ça va du monde là. Ou quoi lire tout dans ce que nous avons à l'histoire? Quand vous êtes le taux de corruption qui est là dans ce pays là, quand vous êtes un ministre qui est impliqué dans un scandale, mon capable dire même mafia au sommet de l'État, il n'est pas étonnant qu'il nous ait à l'histoire. Parce que la l'histoire, il n'est pas que 10. Ou casse qui ne peut pas, qui ne peut passer ça. Il y a aussi ou corruption qui est dans le pays et qui au gouvernement peut faire pour vous. Quand vous mettez ce gouvernement là, c'est le gouvernement le plus vicieux qui est arrivé depuis l'indépendance. Quand vous avez la gouvernance, quand vous avez la transparence. Frontière ouverte pour madame là, ou ramasse pèse Covid. Quand vous avez deuxième affaire qui est là, médicaments. Médicaments peuvent vendre dans un carré. Médicaments pétillants devant la bijouterie. Mais quand le vaccin pour se retirer, on commence à connaître le hockey qui est carré qui bijouterie, nous devons commencer à mettre la quille. 712 millions respirateurs artificiels, casse fini payé. Respirateurs artificiels encore dans le coma, pas pu fonctionner. Et je peux continuer à accepter même, je peux continuer à guetter même. Est-ce que nous puissions continuer à ce gouvernement-là, faire dominer en nous? Crase nous et bosse nous. Non. Il arrive là pour nous dire non à ce système-là. Bon camarade collectif, conversation solidaire. Tu prends le devant pour un amos le 11 juillet. Un amos qui tu réussis comme tu gagnes plus qu'il va y avoir du monde. Un baiser qui dit allez, tu gagnes 5 000 du monde. Mais quand nous gagnons qui arrive, je peux contrôler tout. Je vais contrôler tout qui est là. Ça, moi, ça, c'est le plus réussi. Mais, il y a des raté pour la NPC. Bon, quand il vient avec sa gouvernement sur lui, là. Puis, nous retournons dans Marée Noire, nous rentrons dans Marée Noire, là, en cours. De tout ce qu'on est, qui est arrivé, en Wakasho. Qui est arrivé, Wakasho, hein? Wakasho, qu'il fait. Allez, tiens, mettez-moi dans la salle, moi, je vais Wakasho, qu'il fait, hein? Wakasho, c'est un des plus grands catastrophes humaines et écologiques qui Maurice vive. Tout ça qui fait, parce qu'il y a un dysfonctionnement institutionnel. Tout ça qui fait, parce qu'il y a un incompétent à la tête du pays. Mais quand nous sommes bien en tout ça là, les films viennent montrer à quel point Maurice est vulnérable, parce qu'il met le système de sécurité intérieure down. Les films montrer que le système de sécurité intérieure est zéro. Imaginez-nous demain, l'eau s'est battue là, c'est un terroriste. Imaginez-nous demain, c'est un produit radioactif qui s'est battu là. Mais qui ne peut pas arriver aujourd'hui? Quand tu peux être là, quand tu as un PCA, puis on va aller à la baisse à partir du 12 ou le 13 la semaine prochaine. Mais pendant tout ça, dans la qui est arrivé, nous avons un endroit du Cap-Sud-Est qui est sinistré.
Tout business n'a pas fonctionné. Dis-moi une prime misère qui est dans sa région là. Tout ça qui fait à cause de l'incompétence. Maurice, nous tu répétais pour nous avec deux fins. Mais, grande surprise, pendant les mois août, nous devons être deux fins stressés, deux fins mourants. En novembre, rapport à l'autopsie qui dit, ben, dauphins qui sont empoisonnés avec hydrocarbures. Mais c'est ce qu'il y a, tu vas comprendre que c'est une faute. Tout ça, ben, rapport au Pévini, Pévini démontrer ce que même, je ne peux pas trouver que c'est une réalité. Et je dois prendre la route pour continuer pour le pays là. Le 29 août, nous tous y sommes pour lui. Nous tous y sommes nous tous y frissonnés, nous sommes l'hymne national. Et quand nous sommes nos frères, nous sommes nos sœurs, j'ai une fierté que nous sommes riches à ce jour-là. Et que tu peux dire sur tout ce jour-là, qui nous a fait en ligne? Oui! Moi, encore, je vais dire pour 5 coups? Oui! Après la télévision qui nous vient dire sur lui? Oui! Et vous trouvez un gouvernement qui a fait ça où? C'est moi! Voilà, comme vous l'avez dit, il y a une trappe en lui-même. Et si ce cas je vous dis, peine à réponse. Moi, personnellement, je vais mettre ça dans. Hein? Pour qu'il fasse, je vais décrire ma preuve, ma évidence. Déjà, tempering. Mais j'ai là, rien à dire quand même, du bateau dans le coulé. Quand nous avons tout ce qui est arrivé par rapport à Wakasho, nous pas seulement un drame écologique, mais nous vivons un drame humain. Parce que collatéralement, nous avons un décès, l'autre carton. Hélas, nous avons trois personnes qui mourent, un qui disparaît, encore pérodé. Tout ça là pour l'incompétence qui met une famille dans la souffrance et les peuples à genoux.